fait, mon intérêt est avant tout pour le, ben, pour le féminin, donc, qui est un peu comme, comme la croix que doit porter la femme. Donc c'est bizarre, ça puisse paraître incompréhensible pour un homme. Donc le but de ces portraits, la vocation de ces portraits, c'est d'essayer d'incarner par des postures ce que peut être que le féminin et comment il est vécu globalement, généralement par les femmes. Voilà. Donc ce sont toutes des portraits de femmes à plusieurs âges, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient à un âge intermédiaire ou âgé, ben, plus vieillissante, de femmes qui doivent assumer ce destin qui leur est imposé par le féminin, hein, qui doivent devenir féminines et qui sont toujours dans une logique où ce choix d'être féminine et quelle féminité porter est toujours problématique. Donc le but c'était ça, c'était en fait de faire une sorte de, par l'image qui est véhicule qui dit quelque chose de différent du langage et de façon différente et parfois plus directe. Et on dit plus avec peu de moyens que le langage souvent. Essayer de montrer ce qu'est le féminin et les problèmes que le féminin pose à la femme. En fait, pour moi, il est essentiel de peindre des gens que je connais et qui me disent quelque chose d'eux. Donc c'est pour ça que je choisis que des gens que je connais pour peindre, pour que ces portraits soient pas juste une surface, une image. C'est-à-dire même s'ils sont une image, mais c'est une image qui est passée par... Qui est la suite d'une interrelation entre moi et la personne que je peins. Et en général, j'ai choisi mes modèles parce qu'elles me disaient quelque chose, elles-mêmes, de ce qu'était le féminin et des problèmes que cela pouvait leur poser. Dans celles qui acceptent, en général, il y a celles qui refusent, mais celles qui acceptent, en général, dans le premier mouvement, est plutôt très positif. C'est dans un second temps où là, elles comprennent ce que je vais faire d'elles ou qu'elles voient le dessin ou l'ébauche, qu'effectivement parfois c'est un peu difficile parce que je leur renvoie quelque chose elles-mêmes qu'elles ne veulent pas montrer ou qu'elles veulent ignorer ou qui les touche, qui elles-mêmes leur posent problème. Et là parfois, alors c'est plus le cas pour les femmes qui sont d'un âge, alors c'est pour les petites filles au final, elles sont encore dans le doute, elles savent pas, donc les petites filles ça ne leur pose pas de problème. C'est une possibilité que je leur offre et donc elles voient ça d'une façon beaucoup plus curieuse et intéressée. Pour les femmes un peu plus mûres, c'est toujours difficile de se voir parce que je ne cherche pas à masquer ce qui pose problème. Au contraire, je cherche à me mettre en avant. Donc là, c'est beaucoup plus difficile à assumer, souvent pour elles, que je montre avec plus d'évidence ce qu'elles cherchent à cacher. Et notamment le fait de vieillir, la mort, la féminité appartient à la jeunesse. Elle appartient difficilement à la femme mûre. Et aujourd'hui, plus que toujours, je pense que l'image est quelque chose qui est très problématique dans notre société, qui envahit notre société. Donc le miroir le miroir est omniprésent, qu'il soit l'écran, qu'il soit la photo, qu'il soit la vidéo. L'image est l'image de soi-même, que renvoie le miroir, donc la distance est omniprésente. Et je pense que même si la mort, elle, dans nos sociétés, tend plutôt à disparaître, elle est d'une certaine façon aussi omniprésente parce que la mort est ce qui fait que l'image est absurde et que l'image est ce qui donne à la fois son sens à l'image, mais aussi son non-sens, son absurdité. Et d'autant plus chez la femme que l'image est très liée à l'âge. Et au temps qui passe, et aussi donc à la finitude, à la mort. Alors au niveau esthétique, je dirais plutôt les peintres proches de la Renaissance, donc beaucoup le Titien. J'aime beaucoup les femmes nues, les Titien. Mais aussi donc les peintres caravagistes, pour plutôt la mise en scène, le côté dramatique et les clairs-obscurs. Et ensuite, dans les peintres beaucoup plus modernes, il y a à la fois d'un côté les pièces dans lesquelles sont enfermés les personnages en général de Bacon,
Donc avec la pièce, avec l'angle de la pièce qui est au milieu de la toile, ou des pièces un peu qui ne sont pas centrées comme on a d'habitude, donc que j'utilise dans certains de mes tableaux, qui donnent une impression de quelque chose de pénible, ou qui a un choix à ce moment-là, qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi, qui a une sorte de drame, de quelque chose qui se passe à un moment. Et les peintres aussi viennois comme Schiele, notamment, avec ses corps très anguleux, très torturés, très érotisés, ou Klimt avec ses femmes très féminines, qui sont là clairement la vision féminine de l'homme, de ce que doit être la féminité pour l'homme, et qui sont pour moi donc un point de départ pour chercher ce que c'est que la femme non féminine, non érotisée, qui ne rentre pas dans le féminin tel que l'homme le veut le voir. C'est souvent le cas de mes personnages qui sont absolument pas dans une logique érotique ou sexuelle ou féminine, mais qui au contraire, comme elles sont plutôt en problème, en porte-à-faux par rapport à ce féminin, racontent autre chose, une vision beaucoup plus féminine, beaucoup plus liée, pas féminine, mais beaucoup plus, une vision de femme sur le féminin.